Aujourd'hui, c'est la guerre. Qui a pas déjà rêvé de comparer McDo et Quick? On entend toujours McDo mieux que Quick, tout ça. On s'est dit avec Yacine, on va tester les deux burgers mythiques. Filet au fish. On va voir lequel est le mieux. Let's go. On commence par la légende, le Quick. Pourquoi je dis la légende? On a fait tellement de vidéos ici. Pour les anciens, on a fait une vidéo la plus marrante presque de notre chaîne YouTube. C'est on a commandé en arabe. Après un menu suprême chicken barbecue en grand, Coca-Cola. À la borne avec Aïssa, c'était trop drôle. Donc aujourd'hui, on va tout comparer. Combien de temps ils mettent à livrer, le poids, si c'est mieux d'aller au McDo ou Quick. Vas-y, on attend de commander parce qu'il y a du monde. Trop de monde. Ça vous merci. Quoi? Patientez un instant, merci. Bonjour, je vais vous prendre un menu filet au fish en XL, s'il vous plaît. Et je pourrais avoir une sauce Giant, s'il vous plaît. Et mayonnaise ketchup pour la frite. Ouais, mayo ketchup et un cookie s'il y a en dessert. Donc voilà, la commande va être passée, on active le chronomètre. On va voir combien de temps ils vont mettre pour livrer. La commande vient d'arriver en 4 minutes et 30 secondes. Franchement, ça va. Maintenant, direction McDo. En direct du McDo. Eux, les frères du McDo, ils n'ont jamais voulu mettre un flemme, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va voir le filet au fish. Normalement, c'est sandwich. Et on prend le filet au fish. On prend des frites normales. Faut bien que ce soit pareil que Quick, sinon ça va être de la triche. Pâtisserie. Est-ce qu'ils ont... Non, ils ont pas de cookies, mais du coup, on prend quoi qui est équivalent au cookie? On a le donut, hein. Ouais. Vas-y, c'est carré. La commande est arrivée, devinez quoi? 4 minutes 28. 2 secondes de moins que Quick. Et en plus, le chef, il m'a offert une sauce Big Mac. Donc pour moi, 1-0 pour McDo dans cette confrontation. Le match peut commencer. Quick à ma gauche, McDo à ma droite. Ça va être incroyable. C'est pas trop tôt, je vous attends depuis une heure. Comment ça, c'est pas trop tôt? T'as vraiment cru que j'allais rater le match McDo vs Quick? On commence par McDo pour un total de 11,40€. On a pu avoir une frite, un filet au fish. Donc le filet au fish du McDo, il est comme ça. Un peu petit. On a pu avoir le donuts. Ils nous ont mis v'là les sauces, hein. Il a blindé les sauces et la sauce Big Mac. Pour le Quick, c'est 13,85€ pour avoir un filet au fish comme ça. Il est pas mal, hein. Balèze. Des frites, deux sauces. Par contre, il n'y en a pas beaucoup des sauces, mais bon. Et la célèbre sauce Giant. Giant. Et le cookie au chocolat. Ça fait déjà 2-0 pour McDo, c'est incroyable. Il gagne la bataille du prix. Sachant que tu t'en penses quoi au niveau des prix? 11€, 13€, c'est comment? Bah, le burger du Quick, il est un peu plus gros. Mais on dirait que les frites du McDo, elles sont plus conséquentes. Ok, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir au niveau du poids, qu'est-ce qui va nous caler le plus. Let's go. Alors, au niveau des frites McDo, est-ce que c'est des radins? Ils ont mis combien, Yacine? 151 grammes de frites. 151 grammes de frites pour McDo. 151 VS, combien de grammes de frites? 119. Mais c'est une 114, blague. 114. C'est une blague. Non, 119. Ouais, 119. C'est une blague, McDo qui sont encore au-dessus de Quick. Et Quick, je pensais pas, mais pour l'instant, McDo est en train de les farguer. Par contre, regardez comment Quick, ils vont les éteindre. Filet au fish. Filet au fish, 125 grammes. 125 124. 124 grammes pour le filet. Filet au fish du coup, regardez comment il va l'exploser. 197. Oh non, oh my god. 125 contre 197. On revient à 2-1. Vas-y, maintenant, on va goûter ça. Attends, parce qu'à chaque fois, Myriam, quand elle goûte, elle donne le même avis que Younes. Du coup, Myriam, elle va faire son propre avis et c'est que elle qui va goûter, qui va donner son avis. On est parti, donc on va commencer par tester les frites. Donc, tu commences par les frites de... Moi, je suis chaud que tu commences par Quick. Ok. Commence par Quick, donc déjà des frites normales. On dirait que c'est les mêmes, hein, les gars. Attends, donne pas ton avis tout de suite, mais regardez, on dirait que c'est les mêmes frites. Là, on a McDo. Et celles-là, sont un peu plus jaunes. Je sais pas, c'est bizarre. Moi, ça a l'air d'être les mêmes. Elles sont bonnes, mais ils ont dosé sur l'huile. Ils ont trop mis d'huile. Teste maintenant celle du McDo pour voir. À ce qui paraît, les frites du McDo, elles sont légendaires. Ah, par contre, McDo, ils ont moins dosé sur l'huile et ils ont mis du sel, c'est bon. Maintenant, on va tester les sauces. Donc, on a les deux sauces mythiques. Donc, on a la sauce Giant de chez Quick. Et la sauce Big Mac de chez McDo, donc on va voir lequel des deux est le meilleur. Ça va être incroyable, les frères. On dirait la même chose. Ah ouais, au niveau des sauces, c'est le même délire. Par contre, Myriam, je veux que sur les sauces, tu mettes la blinde de sauce pour bien goûter. Vas-y, c'est parti, tu peux tester. Donc là, elle va commencer... Non, mais tu fais Quick avec Quick et McDo, McDo. Ouais, commence okay. Donc là, Quick, déjà, commence avec la sauce Giant. On va voir ce que ça donne. Voilà. Vas-y, prends beaucoup de sauce. Fais voir là, toute la sauce que t'as ouais, prise. Ouais, quand même, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, vas-y. On sent beaucoup la mayonnaise. C'est pas de la mayonnaise, c'est de la sauce Giant. Ouais, il y a de la mayonnaise dedans. Ça? Ouais. Ok, vas-y, goûte maintenant McDonald's. Myriam va tester. Sauce Big Mac. Attends. Quoi? Comment ça, sauce Big Mac? On n'a pas le droit de manger du Big Mac, Yacine. Mais c'est de la sauce. La sauce, on a le droit. Ah ouais, c'est vrai, je suis bête. C'est pas la viande. Vas-y, goûte pour voir. Il y aura pas un mélange de sauce algérienne, mais non piquante. Ah ouais, donc la sauce algérienne non piquante.
Entre la... Tu préfères quoi entre les deux sauces? Celle-là. Donc la sauce Big Mac qui remporte le duel 3-1 pour McDo. C'est grave, McDo sont en train de mettre la tempête. On va passer maintenant au burger. Je pense que là, Quick, ils vont les... Non, je parle pas. On va passer au burger. Donc, Myriam, tu vas pouvoir tester le burger de chez Quick. Raconte les souvenirs qu'on a avec ce burger. C'est toute mon enfant, je l'aime. C'est incroyable. Surtout qu'avant, je me rappelle, le Quick, c'était halal. Et nous, on mangeait quand même du filet au fish. Ça prouve à quel point on kiffait ce burger. Allez, c'est parti. Moi, ce que j'aime bien avec Quick, tu sais, c'est quoi, Yacine? La sauce qu'ils mettent dans l'hamburger. Ils mettent grave de la sauce. Moi, ce que j'aime bien avec chez Quick, c'est qu'on sent grave le goût du poisson par rapport à McDo. McDo, on sent moins le poisson, on sent plus la sauce et tout, mais Quick, on sent bien le poisson. Alors, Myriam ? Le burger de chez Quick, il est incroyable. En plus, on sent bien le poisson et la sauce, les deux en même temps. Ok, maintenant, il y a. Maintenant, on va pouvoir tester le McDonald's. Et là, je suis désolé, les gars. On va pas lui manquer de respect à celui-là aussi. Je suis désolé, les gars, mais McDonald's, c'est un banger. Ouais, c'est un gros banger. Mais quel est le meilleur entre les deux? C'est ça, je me demande. D'ailleurs, les personnes qui mangent chez McDonald's et qui n'ont jamais testé le filet au fish du McDonald's, essayez, vous allez. Franchement, c'est trop bon. Allez, c'est parti. Okay. Mais par contre, Yacine, je suis choqué. 190 grammes contre 120 grammes. Ouais, non, presque 200 grammes contre 125. C'est une dinguerie. Mais par contre, au niveau des frites, il n'y en a plus chez McDo. C'est-à-dire qu'en vrai, si t'as vraiment faim. Oh, elle a fait son choix, ça y est. Attends, laisse-la finir. Elle a fait 2 crocs au McDonald's et 1 croc au Quick. Non, non, elle a fait 2 crocs au Quick aussi. Okay, elle a fait 2 crocs pour être bien sûr. Myriam, on veut qu'après ça, tu nous donnes vraiment, vraiment. Ouais, elle a un vrai avis. Est-ce que je suis obligé de choisir ou je peux dire le point? Non, faut choisir. Là c'est une vidéo, c'est un VS, faut choisir, frère. Dans celui-là, il est plus gros de 1. De 2, tu vois bien qu'il y a plus d'ingrédients, il y a une tranche de fromage entière avec de la salade. Dans celui-là, il y a la moitié du fromage et il est plus petit. Mon avis final, c'est Quick. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, de 1, il est plus gros. Et de 2, ils ont dosé plus que le McDo. C'est vrai qu'il y a plus d'ingrédients dans le Quick. Au McDo, il y a seulement une tranche de fromage, enfin un demi-fromage, le poisson et la sauce, c'est tout. Alors que Quick, ils mettent grave des trucs dedans. Donc en vrai, du coup, ça fait 3-2. Par contre, Myriam, prends ton filet au fish et trempe-le dans la sauce Big Mac. Ah ouais, c'est vrai, on n'a pas testé ça. Et tu mets une blinde de sauce. Hein. Vas-y, teste. Dans la sauce. Attends, vas-y, teste. Mets une blinde de sauce. Oh, ça va être un banger, je pense. C'est une dinguerie. Du coup, là, est-ce que le filet au fish plus la sauce Big Mac bat le Quick ou pas? En vrai, je pense que oui. Bah maintenant, on va faire le test parce que c'est marrant, il faut pas être radin. Donc tiens, attends, je vais te mettre la blinde de sauce. Starfallah, filet au fish sauce giant. Yacine, tu sais pas bien ce que t'as fait vraiment. Tac, vas-y, teste. Il y a la blinde de sauce giant. Bah, faut être équitable. Normalement, ouais. C'est moi qui aurais dû goûter, frère. On va voir, elle préfère lequel, du coup. C'est incroyable. Du coup, okay. Tu vas passer maintenant au dessert. Là, ça va être une dinguerie. 3-2. On va commencer par le dessert de chez Quick. Ils ont des cookies. Tu vas pouvoir tester le cookie ça, au chocolat. Ça, regardez, hein. Il est vraiment fondant, vas-y déplie-le. Ah non, c'était au niveau du prix. Oh là là. Sachant que Myriam et moi, on est vraiment vraiment fans de cookies. En plus, il est moelleux. Moi, je préfère les cookies moelleux. Donne pas ton avis tout de suite, Mimi. Hein. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt team cookie dur ou cookie moelleux? Moi, c'est cookie moelleux, Yacine. Ouais, moelleux, c'est trop bien. Je peux dire mon avis? Attends, d'abord goûte McDo. Ok, maintenant, tu vas goûter le donuts au sucre. Un donuts au sucre. Il est fourré. Regardez sa bouche. Ah non, j'ai cru qu'il était fourré, mais en fait elle a mis du chocolat dans de sa bouche dedans. Dans mon plat. Non, elle va pas venir, t'inquiète pas. Myriam, elle a déglingué le donuts. Oh. Alors du coup. Attends, pause, finis de manger, réfléchis bien parce que là, ça peut être la fin de la vidéo si tu dis 4-2. Mon dessert préféré entre Quick et McDo, c'est Quick. Oh mais ça fait 3-3. Égalisation et la balle de match, elle se joue sur quoi la balle de match? C'est moi qui rentre en jeu. Après avoir regardé toute la vidéo, on a dit que niveau de la vidéo, c'était les filets au fish qu'on comparait. Il y a 3-3, c'est une dinguerie, c'est vraiment super serré. Mais pour ma part, la victoire de cette vidéo revient au filet au fish. Quick, je suis désolé. Bah moi, tu vois, Younes, j'ai envie de te dire, t'as donné ton avis, j'ai le droit de donner le mien quand même. D'accord, pourquoi je dis ça? Parce que 200 grammes contre 130 grammes, c'est pas possible. Ok, donc cool, il a donné son avis, j'ai le droit de donner mon avis. Moi, personnellement, je suis pour le McDo au niveau du filet au fish, je suis désolé. Pourquoi? Parce que le McDo... Au niveau du goût, je préfère le goût du McDo que le goût du filet au fish du Quick. Donc du coup, ça fait égalité hein, dans cette vidéo. On n'arrive pas à se départager. Dites-nous dans les commentaires, vous préférez McDo ou Quick? En vrai, ça va être vous qui allez départager, les gars. Ça... Je peux enfin manger. Attends, au moins, dis-leur au revoir. Ah, j'espère que ça vous aura plu, la famille. N'oubliez pas de mettre un gros like et de vous abonner. Moi, je vais vous laisser là. Je vais taper mes meilleurs crocs ou pas. Ou peut-être, je vais te laisser. Mais tu vas me laisser, donc je pars.